On est le 21, s'il faut y a des légumes. Oh, il y en a plein. Oh là là. Oh là, il y a la reine des sauces. Ah. Nouvelle recette à la télé. Nouvelle recette à la télé. Je le dis, nouvelle recette à la télé. C'est du maquis. On peut faire du maquis. Voilà. C'est la folie. Comme ça, tout le monde peut faire la recette. Oh mon dieu, c'est le lingot d'or là. C'est. Waouh. Ouais, j'ai du mal à lire. Je vais en remettre en. Alors, le lingot, c'est ici. Guillaume ? Oui. Il y a des trucs bleus qui ont poussé. Waouh. Ah, mais en fait, le pavot il fait tomber les graines. Ah bon? J'ai pas compris alors. Quand je dis y a des trucs qu'on poussait, c'est les myrtilles. Hein? C'est qu'on en avait besoin. Y'a pas d'autres trucs? Ah bah non, vu la date. Là ça va être short. Hein. Ouais, mais t'aimes bien. Après y'a le maïs qui va venir, c'est j'aimerais bien que le foin là il se dépêche de. Le blé, pardon, qu'on se dépêche, hein, cela dit. Et. Annonce ce gros œuf, on a 3 gros œufs. Qu'est-ce qu'on fait de gros œufs? Est-ce que c'est un gros œuf pas blanc? Oui, il y a un gros œuf, il y a 2 gros œufs, il y a 3 types de gros œufs là. 3 types? Et tous les gros œufs. Bah, mets dans le coffre et j'emmène ce qu'il faut au centre communal et je reviendrai poser ce que j'ai pas besoin. Et là, tac. Un point sur les quêtes et la livraison, c'était quoi? Ah, il y a une confiture! Ouais, je la prends. Ouais, prends-la au passage. Non, c'était pas là, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Voilà. Je jette un œil aussi aux champis tant qu'à faire. Et non. Ça s'ouvre. Je pense que ces gros œufs, j'irai les reposer. C'est Jody qu'elle voulait son rouget là. Ouais. Oh, on en a qu'un. Ah merde. Ah, ben faut aller le pêcher. Ouais. Et Jody, c'est. Moi je l'ai pêché. Jody, c'est. Ouais, Jody, c'est la maison. Je vois où c'est. Ouais. Ah, il y a un gros cul ici. Non, c'est pas un gros cul, ça c'est. C'est un poids de senteur. Un gros cul. Un cro-cro comme croquer, comme graou. Je lui dis, attends, mais j'ai halluciné. Depuis quand il dit ça? Oh, j'ai reçu un gros cul. Ça se démerde, compte, hein. Est-ce que quelqu'un veut une glace? Non! Non, merci! Ça faisait longtemps, hein. Il y a des poules à la place. C'est vrai que ça faisait longtemps. Alors, Amandine va bien. Ah! Joséphine va bien, mais elle va moins bien qu'Amandine. Attends, je vérifie. Ah mince. Ouais, Amandine va mieux que Joséphine. Hein. Ah. Capucine va bien. C'est parce qu'elle lui a volé les légumes. Et Martine va bien aussi. Voilà. Ah, et puis de bec, là, de temps en temps, entre vous, ça me paraît assez cohérent finalement. Ah, il y a le chat qui miaule. Oui, il faut lui remplir la gamelle d'eau de temps en temps. Qu'est-ce qu'il fait lui? Oh, un arroseur de qualité 8. Ouh. Ah mince, j'ai toujours pas pris la carotte des cavernes. Ah, c'est dommage. Un jour tu y penseras. Ouais. De la gelée. Ouais, je fous. Ah, c'est de la confiture. Les niveaux avant. Non, les gros œufs, je vais les reposer. C'est vraiment un gros œuf orange couleur peau, quoi. Et c'est quoi alors que là? Ah, mais c'est un gros œuf blanc. Ouais, c'est des gros œufs blancs. Tu fais une super maillot avec. Super maillot, la 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 la. Ah, il y a de la sève. En tout cas, il y a quelque chose au niveau de l'arbre. Ah, ça c'est intéressant ça. Ouais, il y a un truc au niveau de l'arbre en bas. Ça dépend des arbres, c'est ça qui est pénible. Il y a 3 arbres et il faut que ça soit le bon. Mais... Il y a la madame de la carole qui est revenue là. De la quoi? Carriole. Alors elle a un plancher de cristal. Un plancher de cristal. Une carotte des cavernes. Non, c'est bon ça. Un chevesne. Chevesne, c'est du poisson. Enfin, on le pêche. On le pêche régulièrement ça. Un chou frisé, un chou chinois.
Un seul en brique. Attends, il y a un chou rouge ou pas? Non, il n'y a pas de chou. Dommage. Est-ce qu'on en avait besoin de celui-là? Donc je disais sol en brique, tulipe, récompense d'automne, fleurs tropicales d'été, poisson globe, table de salon en chêne, non. Graines rares et bague de mariage recette. Recette de la bague de mariage? Ouais. Combien? 2005 je crois. Non. Pour un anneau tout pourri? Non, pardon, 500. 500, excuse-moi. Bon, elle reviendra pour ça, je pense qu'on est trop loin du mariage. D'accord, on est trop loin du mariage. On va pouvoir se marier en plus. Oui, on peut se marier, oui. Moi, je vois pas. Moi, oui. Vive la liberté. Ah, bah tiens. Attends. Parfait. J'offre des fleurs à Super Saiyan de temps en temps. Et il est content. Ah bah oui, il adore ça. Mince, elle est où? Je sais plus où elle travaille. Non plus. Non, c'est pas elle. Ah, bien joué. Bravo. Bah, il faut que t'ailles à la guilde des aventuriers, ils risquent de te filer une bonne récompense, ça c'est cool. Ouais. Nice. Il a enfin vaincu le squelette qui lui matraquait les fesses depuis tout à l'heure. Ah, c'était la guerre, j'ai régène juste avant, je peux te dire que... Ah, bien joué, bien joué. C'est par contre, je suis allé entre 70 et 80. Hein. Si je vais pas gratter trop haut. Hein. Non, mais c'est normal. C'est elle. Oui, c'est elle. Odile Doré. Oh, un écureuil qui est monté. Odile. Et voici quelques pièces. Et voici Odile. Attends. Oui, elle. Odile. Ça. Oh, ça coûte 10 sous pour récupérer les trucs. Ça coûte 10 sous. Ouais, pour récupérer les trucs que j'ai perdu quand je suis mort, je pourrais les récupérer, mais il faut les acheter. Ah mince. Est-ce que ça vaut le coup de récupérer 2 géodes ou pas? Ça dépend le contenu, oui, à revendre, ça peut valoir plus que ce que tu vas dépenser pour récupérer les géodes, quoi. Ça coûte 300 pour 2 géodes de lave, mais je sais pas... Je sais pas du tout. Ça va entièrement dépendre du contenu, quoi. Au pire, on n'est pas à 300 près pour essayer, hein. Oui, vas-y, 300, vas-y. Ah, mais attends, il me propose plus. Ah, elle est là. Oh, mais... Ouais, mais ok, je sais. En fait, il faut que je full farm des sous pour m'acheter l'équipement. Oh, moi, ce qu'il propose, le mec, il propose tellement de stuff en mieux. Mais pourquoi ça monte pas l'affinité avec elle? J'arrête pas de lui faire des cadeaux, quoi. Comment tu veux que je récupère le slip du maire, du coup, moi? Parce que tu lui offres pas ce qu'elle aime. Mais si, elle m'a remercié. Bon, tout à l'heure, oui, elle a pas du tout aimé, mais là, elle a aimé. Bon, après, oui, forcément, je pourrais aller me spoil sur internet en mode... Bon, alors ça, il faut une pizza à la nana. Comment est-ce que je récupère la récompense, là? Ah, sur le tableau, la fiche, là. Allez voir Guild pour récupérer votre récompense. C'est lui. Non, c'est pas lui. Oh Dieu. Ah, c'est lui, il m'a donné un masque de squelette. Je vais en faire quoi? C'est un truc à garder en tant que souvenir, peut-être. Peut-être.
4 de dégâts. Oh ouais, pardon, 32. C'était aujourd'hui qu'il y avait la caravane, Nino ? Oui. Donc le dimanche. Ou alors elle apparaît vraiment de manière random. Et mais normalement en plus ils s'achètent 20 000 le masque. Ou alors je peux leur vendre. Ah non, je peux pas leur vendre en plus. Bah il doit y avoir un truc spécial, je vais regarder. 20 000, c'est-à-dire que ça a une grosse valeur quand même. Mm. Oh mon dieu, j'étais mute depuis tout à l'heure. Je me disais aussi. Je disais, le masque, c'est quelque chose que tu peux équiper ou c'est décoratif? Pour moi, ça a l'air d'être décoratif. C'est un chapeau. Ah ouais, ok, c'est écrit. C'est un chapeau qui va être obtenu comme récompense après avoir complété l'objectif, donc les 50 squelettes que j'ai tués. Et après ça, le chapeau peut être acheté auprès de Marlon pour 20 000 PO. Ouf. Waouh. Parce que si c'est décoratif, au pire, fous-le dans le coffre de fin de journée, on verra. Hein. Bon, en vrai, il y a n'importe qui le veut. Moi, j'ai déjà le casque trop stylé de chevalier, donc j'avoue que je vais pas l'équiper. Moi, je m'en fiche un peu là, je t'avoue. Moi, j'ai mon petit chapeau d'été. Ce genre de truc. Celui qui va être trop beau gosse, quoi. Avec une tête de squelette, incroyable. Du coup, faut que je regarde ce qu'il me demande de tuer comme bête. Faut que j'aille dans les couches où il y a les bêtes là pour le farmer. Ouais. Bête. C'est intéressant. Je pense que ça peut faire pas mal d'argent derrière, ouais. Les pots de maillot, on a dit qu'il fallait les vendre ou pas? Oui, mais je les ai accumulés avant de les vendre. Mais c'est juste que je viens de remettre les œufs en place pour ça. Ce serait bien de faire des lingots de fer aussi. Ça va, mais Mais là, je vais liquider tout l'or. Dès que j'ai fini avec l'or, je mettrai le fer. Pas de soucis. Attends, graines de café, printemps. Qu'est-ce que. Il y a un gros hibou là. Ouais, c'était sur l'écran, mais il a disparu du coup. Ah, mais il a du choux là-dedans. Du quoi? Il y a du chou. Du chou-fleur, en vrai, je pourrais l'utiliser dans la mine. Ah bon? Ça rapporte beaucoup le chou-fleur? Bah, laissez dans quelques-uns quand même. J'ai un brochet épique, les gens. Ah ouais? Ah bah donc non. Un brochet épique? Épique! Ah ouais. Rapport épique. Et légendaire! Doré! Doré! Ah, la référence tout de suite, c'est incroyable. Bah, écoutez, moi je vais aller me coucher, en plus c'est bientôt une heure. Ouais. La myrtille, tu l'avais déposée, y'a qui ou pas? Vite. Pardon? Jake, je vais déposer la myrtille. Okay. Jake, je viens dormir chez toi. Ah, mais y'a trop de monde ici. Faut qu'on arrête de dormir à 3. Ah, mais c'est. Ouais, vous faites des plans bizarres par contre. Hein. C'est pas très roleplay, mais c'est pour dire quand c'est l'heure d'être tard, on va pas péter à la maison Pétaouchnok, c'est la maison la première, tu vois. Oh, niveau 6, extraction minière. Plus une compétence de pioche, une nouvelle fabrication, des bombes, on va te faire péter. Ah, je suis content. Oh. Oh, la mayonnaise. Aïe, aïe, aïe. Oh, la cuillette. C'est bien. Oh, la mayonnaise, la cueillette. Oh là 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 là. La cueillette, je pense que je planterai beaucoup plus de graines parce que les graines elles valent pas grand chose. Oui, il faut planter beaucoup. Je vais plus en général faire ça, ouais. Il faut que je te fasse plus de champs en fait. Mais pour ça, j'aimerais bien qu'on coupe du bois et le bois pousse. Ah ouais, mais ça, je crois qu'on est tous dessus. C'est dès que je vois un arbre, je le bute et je mets le bois dans les coffres, mais...